Salut tout le monde, c'est Pixel. Et c'est le retour du soleil levant. Exactement les enfants, nous sommes sur l'épisode 2 de Layzara Summit Kingdom. Rappelez-vous, lors de l'épisode précédent, nous avons fait des escaliers de 5000 marches. Exactement. Et nous avons aussi mangé du yak. Et nous avons aussi prié les divinités. Mais il manque toujours le temple au milieu de la colline. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et surtout à cliquer sur la cloche pour ne rien rater des futures vidéos de Pixel. Sinon, attention, pas de saké. Mais on n'est pas japonais, bordel. Ah, j'en ai rien à foutre. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Et merci aussi à tous ceux qui font des subs payants. Ça aide aussi d'une autre manière la chaîne. Allez, on est parti, les enfants. On fait continuer. Il y a eu une ellipse. Exactement. Il y a eu une ellipse, les enfants. Nous retrouvons donc dans notre magnifique... Enfin, sur notre magnifique montagne où il faudra mettre un temple tout en haut. Oui, exactement. Il va falloir mettre un temple tout en haut. Mais regardez-moi ça, les enfants. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ces yaks qui sont en train de paître, les enfants, dans ces pâturages verdoyants. Oh là 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 là. Ces artisans qui transporte des ustensiles de cuisine. Oh là 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 là. Tout ça pour découper du yak. Nous avons ici nos paysans, voilà, avec leur ferme. Ils sont magnifiques, ils sont beaux. D'ailleurs, avec... je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient accrochés à leur... à leur toiture. Regardez, il est là. J'essaye de m'entraîner. Avec les magnifiques ponts, d'ailleurs, que je trouve formidables. D'ailleurs, je me suis un petit peu renseigné sur le Tibet, hein, les enfants. Enfin, pour moi, hein, parce que ça me fait kiffer que le jeu, il tire de ses graphismes l'atmosphère qu'il y a au Tibet, à l'Himalaya. Et je trouve ça magnifique. Je ne sais pas du tout, par contre, comment ça s'appelle, ces ornements dessus. On a des lamas, je crois, ou des yaks, mais... Bref, c'est formidable. Les enfants, c'est formidable. Je suis comme un dingue. Et nous avons nos escaliers de malade. Ce sont des escaliers de 5000 marches pour venir voir les moines tibétains. Rien foutre de leur journée, car nous sommes supérieurs à la majorité. Oh, 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 c'est Macron, attention. Et donc, nous sommes sur notre nouvelle parcelle. Rappelez-vous, on a un manteau neigeux, regardez. La neige s'accumule à cet endroit, tôt ou tard elle déclenchera une avalanche. Donc puissance de l'avalanche, ça va pour le moment, c'est qu'une seule étoile, je crois qu'on peut en avoir plusieurs. Voilà, jusqu'à 3 étoiles. 3 étoiles, ça t'arrache ton slip, mais tu bouges pas, tu vois. Donc, nous sommes ici, il va falloir déjà que je construise, les enfants, c'est où ? Des scieries. Donc, une manière simple de bloquer des avalanches et de planter des arbres sur leur chemin. Essayons avec une scierie. Les scieries n'ont pas besoin d'être reliées au réseau routier. Pour bloquer des avalanches plus puissantes, vous aurez plus tard besoin de plusieurs rangées de scieries ou de bâtiments spécialisés. D'accord, donc là, on va faire carrément, les enfants. Ah oui, on fait une muraille de Chine. Hein. Oh là là, la muraille de Chino. Voilà, parfait. S'assurer que le comptoir commercial est opérationnel et entièrement protégé. Comptoir commercial. Bah normalement, si je le mets là, il devrait, je dis bien, ne pas avoir de soucis. Je peux construire jusque là. Donc je peux le mettre là. On mettra un pont après. Pour le moment, je vais m'occuper de... Voilà. De relier. Oh là là. Donc on en a deux qui bossent déjà. Regarde, oh là là, ça bosse. Ça bosse, ça s'est assis sur les rondins. Oh là 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 là. S'il y en a un qui voit ça, ça va jaser. Hein. Est-ce qu'on peut mettre des maisons? On a quoi là? J'essaie de me remettre un petit peu dans le bain, hein, les enfants. Ah, je peux pas... Ok, donc là, il faut faire un pont, c'est ça? Hop là! Entièrement... ouais, mais pour qu'il soit... il me faut des yaks.
Et le problème, c'est que est-ce que les gens vont arriver? Ça va être une autre paire de manches, ça. Des yaks. On va tester. J'aime bien la musique. Ta ta ta. Ta ta ta. Ta ta ta. Non. Pourquoi là je peux? Mais ça je peux pas. Et là je peux aussi. Ça nécessite quoi? Travailleur manquant. Et c'est quoi qu'il faut? C'est eux. D'accord. Alors, on va essayer de gérer ça correctement, les enfants. De mettre une petite maison ici, une petite maison ici. Je peux pas en mettre là. Ah, j'ai mal foutu le truc. Bon, ben, il y a des chances que tout le monde meure. bon. Alors, tac. Non, c'est pas ça? Attendez, comment qu'on fait? Faut que je m'y remette. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, c'était pas Jean. Hop. J'essaie de comprendre. Voilà, merci. Impossible de vendre du bois sur cette montagne. Et pourquoi? Continuez. Alors attendez, on va voir. Il va y avoir une avalanche. Attention! Oh là là! Demain ne meurt jamais! Oh punaise! Référence, hein, les enfants. Hourra, ça a marché, le comptoir commercial est sauvé! Je me tuerai à vous le dire! Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter! Il faut juste monter et faire le temple! Même s'il y a des morts et des gens qui sont malades! Pliez-vous à sa volonté! Nous sommes enfin prêts à continuer! Frayons-nous un chemin jusqu'à la première vraie montagne! Ah ouais! J'ai hâte! Elle est où la vraie montagne? Oh, on s'en va! Ouh! Alors, les enfants, comment vous expliquer? Vous avez pas vu un tournage qui est que... Heureusement. Nous allons faire une nouvelle partie standard, les enfants. Donc, on a débloqué toutes les montagnes. On vient de faire Colline Flamme Espoir. Moi, j'ai lancé une partie tournée que vous n'aurez pas, qui a duré à peine 5 minutes. En 5 minutes, j'ai perdu. Parce qu'en fait, le jeu, ce qui t'explique dans le tutoriel, ça ne te sert pas. D'où les mecs ont fait ça. Ça sert à rien. Les tutoriels ne servent à rien. Ah oui, non mais... Il faut savoir tout faire dès le début. Autrement, vous allez être déchus. Et vous ne serez pas dans le temple de la liberté. Bon, bah, je ne serai pas dans le temple de la liberté, les enfants. Non, tout simplement parce que... vous allez voir, je vais vous expliquer. On va se trouver une petite partie, tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Équilibrer. Allez, zou. Bam! On se met en adepte, normal. On lance et je vais vous expliquer tout ça. Il y a eu une ellipse. C'est un épisode un peu haché. Désolé, hein. Donc là, ça va être notre première partie en dehors du tutoriel. Regardez comme c'est beau. Nous y voilà, ce n'est pas le pire endroit pour s'installer. Vous avez raison, quelle beauté ici, regardez ces rivières. Elles débordent de poissons et encore mieux, nous pourrons construire des bains pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh, la double montagne. Je parle de ce côté ici, nous pourrions avoir de meilleures récoltes d'or, j'ai coupé davantage de bois. Mais il n'y a pas d'eau, c'est ça? Non, ce côté est le meilleur, ça ne fait pas un pli. Nous pouvons récolter plus de miel. Regardez, il y a même des gisements de sel. Et si on faisait sur les deux? Tout le monde se calme! Il n'y aura pas de côté! Nous mettrons le temple en plein milieu! Mais il y a du vide. Exactement! Nous mettrons une pyramide humaine et nous construirons sur la pyramide humaine. Et vous mourrez! Pour les divinités! Et merde. Au milieu! Il va falloir trouver un moyen de profiter de tous ces avantages pour la construction de notre paroisse. On n'appelle pas ça une paroisse, c'est un temple. Cessez. Allez-y. Donnez à 40 habitants des plaines un accès au bain. Oui. On n'y est pas, hein, pour le moment. Jean-Claude, calmons-nous. Donc, le jeu, ce qui nous explique pas, c'est que nous avons un budget, les enfants.
Voilà, nous avons un budget avec une trésorerie. Et le truc, c'est que si tu construis, comme te dit le tutoriel... alors, comment vous expliquer ceci. Donc, tu le mets, tu mets des maisons, tu commences à subvenir à leurs besoins. Eh ben, tu perds. Voilà, il faut y aller tout doucement, les enfants. Donc là, je vais mettre mes premières habitations. Ça serait même mieux... Est-ce que... J'ai... Attendez. Attendez. Ouh. Il faut quoi pour les bains? Attendez, il demande des bains publics. Attendez, avant, on va regarder les bains publics. Apparition des bains. Ah ouais, ils se mettent que là, en fait. Là, on peut pas... Eh ben... Bon, eh ben écoutez, avant qu'on puisse leur offrir des bains, on va l'avoir dans l'os rétinien. On va commencer à construire, les enfants, une première... Bah, on va se mettre là et après on s'étendra. Une première cité. Donc nous allons faire, bam, notre premier marché. Vous voyez, bah faut faire gaffe parce que notre trésorerie est à 2000, on vient d'utiliser... Ça revient, mais on a presque plus d'argent. C'est-à-dire que ça, quand ce sera à zéro, eh ben, ça va bouffer dans notre trésorerie. Et ça, le jeu, il explique pas. Et ça, c'est la merde. C'est vraiment la vraie merde. Donc, il va nous falloir, les enfants, pour commencer, des gens. Donc, on a combien, là? On a 10 travailleurs. Donc, déjà, dans un premier temps... Tu ne reçois pas de nourriture. Transfère des ressources ici. Ouais, on va commencer à se débrouiller. C'est surtout que je ne sais pas les besoins de mes citoyens tant que je ne les ai pas mis. Là. Vous voyez, hein. Ça coûte quand même du pognon. On va faire ça. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Bam! Donc là, j'ai mes citoyens. C'est-à-dire que là, j'ai un total de 20, 10 travailleurs qui travaillent au marché et 10 sans emploi. Ils veulent, pour commencer, du miel. Ils veulent 3 de bouffe et ils vont avoir l'illumination. Donc déjà, ils veulent du miel et des œufs. Donc on va commencer déjà à leur mettre du miel et des œufs. Je vais partir du principe que tout autour, je vais faire des maisons. Donc le miel et les œufs, je vais les mettre ici. Production de miel, donc là, ça me coûte 30. Mais ça me coûte moins 4 par jour. Moins 4 par jour. Les deux, de toute façon, on l'a dans l'os rétinien. Donc, je vais mettre mon miel. Est-ce que je peux le mettre le plus loin possible? Ici, ce serait pas mal. Bam. Voilà, déjà pour commencer. Donc, on a du miel qui arrive. Et nous avons déjà... Voilà, les besoins qui sont satisfaits en miel, mais on est à 3 sur 2, c'est pas énorme, et surtout que quand on va construire d'autres habitations, eh ben ça va nous prendre sur les, la dernière part, hein. Vous voyez, la dernière part, il y a une part encore de miel qu'on va pouvoir utiliser, mais ça va être limite. Oh là là, regardez, ils ont l'air blasés. Oh là là, j'ai oublié de prendre un baudrier, comme d'habitude. Mais il faut le faire avec les mains, et ne pas sourciller. Je vais essayer. Parfaitement. Sans le baudrier, les enfants. Regardez les abeilles. Oh là là, les abeilles. Magnifique. Donc, est-ce qu'on gagne un peu d'argent? Dons non collectés. Ah oui, il nous faut une boîte de dons. Où est la boîte de dons? S'il vous plaît. Trésorerie. Boîte à dons. Je vais la mettre... bah là. La boîte à dons. Voilà, comme ça on a des revenus. Les citoyens vivant à proximité font leurs dons ici. Chaque habitant des plaines et chaque moine donne 2. Et chaque artisan 3. Ah oui. Ok, donc, nous avons combien les enfants? Nous avons 7 personnes sans emploi qui vont nous permettre de faire des œufs. Les œufs, c'est important. Là, j'ai plus accès. Là, oui. Donc là, et là. Normalement... Bam, c'est fait. Mais on n'aura pas assez. Hein. 4 œufs, ouais. Il va falloir que je refasse un miel. Et pour ça, il va nous falloir du pognon. Pour avoir du pognon, il faut avoir des gens. Donc, on est parti.
Parfait. Et là, on l'a dans l'os, là. Hein. On l'a dans l'os, il va nous falloir du matos. Un peu plus de miel, un peu plus de... Est-ce que les œufs... Voilà. Et le miel. Voilà. Et normalement, ça devrait aller. Ah oui, on n'est pas relié là. Ah, attendez. Ça va être un souci si eux, ils peuvent pas être reliés. Alors attendez. Bam. Qu'est-ce qui se passe? Ah! C'est tombé là! Ouais, j'ai eu de la chance. Heureusement que c'est pas sur nous. Hein. Parfait. Donc ça, je l'enlève. Je vais pouvoir remettre mes résidents correctement. Et le problème, c'est que ça a été mal foutu et mal pensé de ma part. Donc vous pouvez voir que là, rétiniennement, on l'a dans l'os. Voilà, parfait. Oh là là, l'ambiance qu'il y a quand même. J'aime beaucoup, hein. Le jeu est parfait. Le jeu est parfait. Sans emploi, travailleur. Donc là, ça c'est bon. Il va leur falloir quoi maintenant ? Hôtel à prière et des bains. Ah oui, non mais... Merci. Voilà. Mais il va falloir que j'en mette là-haut. Surtout que ça coûte un bras, ça. C'est moins 4, hein. On gagne des dons, mais complicado, hein. Il va nous falloir un peu plus de gens. Et là, il va falloir des bains. Ouais, mais pour avoir des bains, les enfants, il va falloir qu'on ait une économie un peu prospère, là, parce que pour le moment, ça va être compliqué. Ça, c'est intéressant. Où sont-ils ? Magasin accessoires. Ouais. Et là, on a ça. Donc, magasin accessoires. Je peux peut-être le mettre... Ah, ici, ça serait... Ah ouais! Là, ici, c'est pas mal. Mais là, il va nous falloir des maisons... Voilà. Il va falloir essayer de gérer tout ça. Parce que tu vois, le tuto te met une construction d'un côté, une autre construction de l'autre côté, alors que en fait, faut tout mélanger. Le rouge, le blanc, le bleu, c'est un enfer. Hein. Et ça, si tu le sais pas... Production ustensiles de cuivre. Déjà, il va me falloir une mine. Bam. Ici. Avec. Je crois qu'il nous avait parlé d'une chose très importante. Qui est, les enfants ? C'est pas les ressources. C'est quoi qu'on nous avait expliqué ? D'ailleurs, je suis en train de voir... Ouais, ça prend tout le monde en compte, ouais. Réfléchis. En fait, ce que je cherche... Mais il y est plus. Ah non, il est là. Comptoir commercial. Ah ouais, mais elle est loin, la...
Ça va être un problème, là. Bam. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, mais c'est de la merde, ce que je fais. Voilà. On est à 128, ce qui est pas, c'est pas foufou non plus. En fait, si ça, je le mets là. Je mets une route. Ah ouais, on a presque plus de thunes. Bah ouais, je perds de l'argent. Bah ouais. Et c'est là le problème, en fait, les gens. C'est que je vais vous montrer, le jeu, il te l'apprend pas, ça. Ça, il te l'apprend pas. Et tu perds très très vite. Et ça, c'est un problème. Pef. Pef. Nickel. J'ai combien ? Travailleur 35, sans emploi 1. Voilà. Distribution impossible. Ah oui. Chaudronnier. Bam. Donc là, 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 là. Parfait. Nickel. On est bien là. Eux, ils nécessitent quoi? Ah ouais, mais regardez, on est à moins... On est en train de perdre de l'argent. Voilà. C'est pour ça que là, il faudrait... On est à combien? Il nous faut plus de... Voilà. C'est bon. Normalement, on perd plus d'argent. On est à 58. Wouh! Ah oh, la vache! On a perdu de l'argent, hein! On a failli perdre! Vous voyez comment c'est dur, les enfants? C'est compliqué! On a des dons, ce qui est déjà pas trop trop mal. C'est en train de tourner. Ah ouais, là, on a un sans emploi. Hein. Oh, c'est le plein emploi, les enfants! Ouah, le yak! J'avais pas vu! J'étais tellement obsédé, les enfants, que je l'avais pas vu. Il va nous falloir des fermes. On pourrait les mettre là, mais ça serait pas judicieux de fou. Et là, j'ai pas accès, quoi. Là, oui. Et même là, je vais pas avoir la place de mettre mes fermes, là. Il me faudra un comptoir commercial. Ouais, ouais, il va me falloir un comptoir commercial, quoi. Alors, déjà. Paf, paf, paf. On en a 13. Une ferme. Ah non, c'est pas ça. Il nous faut une ferme, les enfants. Je vais essayer de faire quelque chose de bien. Oh, quoique ici. Ici, avec une petite route. Là. Ça, je peux faire ça. On est à plus 1. Vous inquiétez pas. Ne pétez pas un câble. Et normalement, avec une petite route,
Oh là là. Mais ça va, on perd un peu d'argent, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ne paniquons pas. Ne paniquons pas. Tout va bien se passer. Normalement, eux, voilà, ils ont leur bouffe. Là, on est bien. Et ce qui leur manque, ben, c'est rien du tout. Hein. Il en manque quoi? Alors, un besoin peut avoir une valeur de 1 ou 2. Vous voyez comme c'est compliqué comparé à la découverte où on t'explique, mais vite fait, hein, on te dit pas que tu peux mélanger tout ça. Tu te retrouves coiné. Et même moi, j'étais là, mais comment ça se fait? S'il vous plaît. Il reste combien dans le gisement de cuivre? Construire une mine. On pourra en faire une deuxième. Et être encore plus riche. Mais là, on est autonome, là. On est autonome, hein. Moi, je veux pas y toucher, tu vois. Et on a des yaks. Comment ça se fait qu'on a des yaks de base? On en a plus. Ah! C'est ça qui me coûte un bras. J'étais là, mais des yaks, on en a pas. Et merde. Bam. Bam. Voilà, 142. Yes, ça remonte. Yes. Yes. Bah ouais, en fait, c'est les yaks, là, qui étaient... Il en faut combien, encore? J'en ai... Ça donne 5. Et là, moins 4. Ouais. Et il y a quoi d'autre qui utilise des yaks? Moins 2. Ah ouais, ouais, ouais. Il va m'en falloir une autre... Des yakounés. Voilà, merci. Voilà, parfait. 200, voilà, 283. Oh là 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 là. Mais en fait, on y arrive, les enfants. Mais c'est compliqué. Quand tu sais pas le jeu, tu te fais vite, vite avoir. Regardez, j'ai l'argent qui remonte avec ma trésorerie qui fait une dinguerie de dingue. D'ailleurs, c'est quoi ça? Ah oui, il va me falloir des recherches. Pour avoir des recherches, vous voyez, là, il me faut des recherches. Niveau de recherche 2, il faut que j'aille dans l'illumination, les enfants. Et pour ça, il va nous falloir ici ceci. Est-il possible? Ah, il me faut des... Ah ouais, ah, j'étais pas au courant. Un petit... Oh là là, il est magnifique celui-là. Avec l'arbre et tout là. Oh là là là, celui-là il me fait des choses. Voilà. Bam! Perdez de l'argent. Oui, je sais que je perds de l'argent. Je perds de l'argent parce que... Je mets sur pause. Je perds de l'argent parce qu'il me faut ça, ça, ça. Il m'en faut 48, en fait. Je veux voir si déjà... La tonne de moine! Vous avez chialed. Enfin, vous avez craqued même, d'ailleurs. Allez, moine, là, il faut... C'est quoi? Des travailleurs artisans. Est-ce que si j'en rajoute là... Bah, c'est parfait. C'est interconnecté, en fait. Parfait. Et là, par contre, il va me falloir de la bouffe. Putain, il va leur en falloir, hein. Oh, de fou. Comment je peux faire, là? Ça va être aussi un marché, là? Genre là, comme ça? Eh ben, ça va commencer à être sévère, les enfants. Je sais même pas s'il y a autre chose que le marché, hein. Parce que le marché, en fait, bah, je l'ai dans l'os, là. Et là, ici, il va leur falloir quoi? Des œufs, du miel,
Ouais, bah ça va être comme tout le monde en fait. Oh, des œufs. Et c'est mal construit, vous voyez. Enfin, non, même pas, c'est juste ils ont pas de portée. Des œufs. On va faire. Ça, on le détruit. J'espère que vous avez compris le principe. Hein. Le principe est extrêmement vénère. Hein. Il faut pas des yaks là, non, j'allais dire, putain. Pitié quoi. Non, le poulet c'est bon. Bam. Voilà. Donc tout le monde, j'ai mis sur pause hein, pour le moment. Tout le monde est nickel, tout le monde... Ah ouais, j'ai presque perdu, hein, je suis à 800. On va attendre. J'ai remis. On va attendre de regagner du pognon parce que là, pff, compliqué. Hein. Oh là 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 là. Mais on a un point de compétence déjà. Enfin, un point de recherche. On en est loin. Mais c'est déjà ça. J'espère qu'il neige pas juste au-dessus. On a là, mais ça me met pas que c'est de la poudreuse. Que par contre, si... Par contre, le jeu, s'il te plaît, voilà. Là, ici, vous voyez, manteau neigeux. Là, ça te met qu'il y a un manteau neigeux, quoi. Faut gagner de la thune, là. Je suis à 1000. Parce que là, si je rachète, je vais perdre le jeu. Et on en est loin, des bains. On en est loin qu'ils aillent se baigner, là. Les petits chlassos, là. Bah voilà, bah regardez. Faut pas se baigner, ici. Regarde. Oh là 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 là. Moi, je voulais juste me baigner. Maintenant, je suis frigorifié. On vous l'avait dit. Il faut pas se baigner. Il faut faire le temple entre les deux sommets. Et puis, c'est marre. Ok. Eh ben, voilà. Il va falloir quoi, là? Du fromage. Ouais, du fromage. Le frometon, mais le frometon, le truc, c'est que ça nécessite des yaks. Oh là 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 là. La 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 la. Bam, bam. Là, je sais. Voilà. C'est dommage que j'ai pas beaucoup de place. Hein. Là. Faut améliorer les maisons. Il va falloir améliorer ça. On perd un peu moins d'argent. Ceci dit, ça va. Faut que j'améliore mes maisons. Tant qu'il me manque... Ouais, là, c'est du fromage qui me manque, là. De ce côté. Je pourrais... Mettre ça comme ça. La fromagerie. Ici. Ba-na-na-na-na-na. Voilà. Ça, ici. Alors, attendez. Ça, là. Ça, là. Ah ! Il n'y a pas de portée. Attendez ! Je me suis chié. Voilà. Et normalement... Voilà. Et ça, là ! Et là, bam! Ça y est!
Regardez l'argent. Voilà, l'argent arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il manque des travailleurs, ouais. Et qu'est-ce qu'il leur faut là? Oh là 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 là. Un mandala? C'est quoi ça, un mandala? C'est un bracelet, ça. Le con. Si genre je le mettais là. Ouais, c'est pas beaucoup la portée. Hein. Mais... Et dommage, on peut pas les tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas faire une rotation. C'est-à-dire qu'il est bloqué dans cette longueur. Il manque ça, quoi. Parce que après, c'est des bains, des tissus et de la bière. Ça aurait été le plus facile. Et c'est là où, en fait, c'est du puzzle, vous voyez? Et là, il faut vraiment tout gérer. Moi, je serais plus d'avis de faire ça. Attendez. Ah, ça veut pas, hein. Ça, je le mets là. Ça veut pas. Oh putain. Qu'est-ce qu'il te faut? Oh là 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 là, l'enfer. L'enfer, il y a vraiment pas de... Alors c'est le but du jeu, hein. Mais waouh. Compliqué là. Et là, il me fallait quoi ici? Bon, il leur faut énormément de trucs là. Je pourrais limite faire ça. Et merde. Oh, c'est tendu du fiac. C'est tendu du fiac parce que je peux pas... En plus, ce que j'ai là, sur une autre parcelle, il transvase pas. Et ça, c'est un problème. Bah si, il transvase un peu, mais... genre là, tu vois... Bam! Et c'est ça, le problème. Comptoir routier. Les chariots ne sont pas faits pour transformer des jeunes humains ou de jeunes liens, peu importe. Ah! Ça, c'est pété, ça. Donc, en vrai... ça me permettrait...
de ça. Le bouger. Là. Je mets sur pause. Mets sur pause. Là. On va commencer à faire les choses bien, là, tu vois. Oui, je sais, il te manque du matos, il te manque plein de trucs. Paf, 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 paf. Et paf. Non. Voilà. Et là, normalement, si ça... Je le relis. Mais que... Où est mon comptoir? Voilà, parfait. Et là, ça me laisse la place pour faire ceci. Genre ça. Et boum! J'ai plus besoin, regardez les travailleurs là. Voilà. J'en ai beaucoup. 360. Yes. Les moines par contre, les moines sont dans la loose. Qu'est-ce qui se passe? Ah merde, les fromages. Mes fromages. Et merde, ils sont où mes fromages? Je crois que c'est là. Établi de yak. Avec une fromagerie. Alors, tac, tac, tac. Ah ouais! Ah, c'est dommage, ça! C'est dommage que, en fait... Ah ouais, un seul bâtiment pour ça. Mais c'est compliqué, là. Travailleur inadapté, deux... Ouais, on est à 400, les enfants. 400, regardez, ça remonte! Ça remonte! Et en fait, c'est du puzzle game. Vraiment, c'est du puzzle game de fou. Où tu vas devoir gérer toutes tes ressources au fur et à mesure pour essayer de gérer ça. Vous voyez, bon, eux, ils sont même pas... ils sont super loin, quoi. Et voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo, deuxième vidéo sur Layzara, vous a fait plaisir. Si vous voulez vraiment un let's play complet, parce qu'à la base, c'était une série, mais je vois que pour le moment, il n'y a pas de mode histoire... Il n'y a pas beaucoup de choses implémentées, c'est vraiment du puzzle game. Si vous voulez la suite, je l'attends en commentaire de vidéo, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo où là, voilà, je vous ai montré vraiment comment ça se passe en dehors du tutoriel, comment c'est compliqué de fou. Donc j'attends vos retours avant de me précipiter sur quelque chose que ça se trouve vous n'aimeriez pas du tout. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir, moi ça m'a fait énormément plaisir, j'ai réfléchi et ça fait du bien. Je me suis marré. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour l'heure, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde.